Veille, veillée, vigie, vigilance. Être en veille, être détaché de soi, ne plus être relié au passé, vivre le présent en rêvant du futur, faire partie d'une chaîne, un ballet, participer à un projet un peu fou, surprenant, détachant, décapant. Relivré à soi, tout en étant investi d'une mission, d'un enjeu fort. Veiller sur cette ville, le sait-elle? Se sent-elle protégée? Des dizaines de pas, hésitant, pressant, assuré, virevoltant. Où vont-ils? Quelle destinée? La lumière s'estompe, d'autres lumières apparaissent, timides et de plus en plus fortes. Une méditation pour rien, pour moi, pour tous. Drôle de chorégraphie. Ô temps, suspends ton vol et vous, heure propice. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Cette expérience est aussi un poème. Ce soir, c'est Halloween. Regarde sur la ville de l'enfance. Au loin, naître ville comme des légos dans la colline aux portes de la forêt. Parents suivis d'enfants à masque, masque d'épouvante, balai de voiture. Le cinéma Rex, il ne paraît pas si grand. Je n'en avais jamais vu le toit. Comment était la salle? Dans le ciel, deux avions font une croix blanche. Un enfant, masque Dark Vador, lève la tête et me voit le premier. Sourire. Au loin, la forêt est à perte de vue. Dans chaque voiture, dans chaque fenêtre, dans chaque marche pressée, il y a une vie. Je suis une ville, le temps d'une heure. Évreux est une belle ville, hein. Je l'oublie parfois. J'ai vu des punks à chiens boire des bières. J'ai vu des gens qui l'ont vu. J'ai pas vu le temps passer. Pensez à laver mes vitres, lever la tête. Une abeille s'est posée juste devant mes yeux, sur le cadre en bois de l'autre côté du plexiglas. Ses pattes arrière gorgées de pollen, si tôt. D'où venait-elle? Où est sa ruche? Une heure, c'est long au début et c'est court à la fin. Je ne sais pas si ça a été court ou long. En tout cas, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Et t'attends, et puis t'attends encore. Oh punaise, le mec il arrive. La délivrance. Je suis venue, j'ai veillé. J'ai embrassé la ville encore moitié endormie, j'ai observé. Première image, un ciel bleu, strié par les sillages des avions, une mosaïque aérienne. Au loin, un bout de campagne de brumes impalpables. Et mon regard est redescendu sur la civilisation. Organisation, consommation. Le marché s'anime lentement. Un coucou de Letty, Célia et Violette, achetant quelques légumes. C'est mignon. Puis j'ai joué avec le soleil levant. Mes yeux l'ont apprivoisé.
Les couleurs pastels se sont succédées. Les halos se sont transformés sans cesse. J'ai regretté qu'il ne m'ait pas réchauffé les pieds. Moment unique, inattendu. Communion avec l'espace offert. Expérience riche. Bon début de journée. Quelques personnes, seules ou à deux, traversent la place du marché quasiment déserte. La ville frémit doucement. Elle s'éclaircit vite. Un train, au loin, passe. Quelques véhicules arpentent les rues. Les feuilles de l'automne chantent leurs couleurs de splendeur. Ce que je vais découvrir, je ne le sais pas encore. Mon hôtesse est agréable et nous montons sur le toit du parking. Un cube en bois est planté là. C'est très théâtral. Une fois dans cet abri de fortune, la ville est à mes pieds. L'aube est laiteuse. La vitre criblée de gouttes me donne à voir un paysage trouble. De menus babillages me parviennent, provenant des commerçants du marché déjà bien installés. À la Vallée d'Eau, j'en ne bois pas encore. À la cantonade, oui. Je m'aperçois que le restaurant du duc de Bouillon a fermé ses portes. Encore une trace du passé boétien qui disparaît. Le jour s'est levé sans faire de bruit. Je distingue mieux les haubans de nos illustres édifices. Deux d'entre eux sont érigés en pointe. Les deux autres ont un dôme rond, plus gracieux. Les toits de la mairie semblent se hisser pour que je les aperçoive mieux, tant mon regard s'aiguise à mesure de son observation. Je veille. Tous ces monuments veillent aussi. Même les collines sont des guetteurs. Sur la place, le bruit s'est intensifié. Les pigeons passent au ras de moi. On me regarde. C'est bien d'apprendre à veiller les uns sur les autres. Je salue cette initiative, empreinte d'humanité, en contact avec le cosmos. Cet après-midi, j'ai eu un peu le trac. Comme si j'allais monter sur scène. Se lever le matin pour participer à une telle expérience fait du bien à mon âme. Prendre le temps, son temps pour observer, écouter et ressentir est nécessaire. Et ce temps suspendu au-dessus de la vie qui participe à merveille. Veiller prend tout son sens. Prendre de la hauteur et s'élever un moment est une expérience unique et bienveillante. Merci pour ce projet artistique et humain. Et merci à Brigitte, mon accompagnatrice ce matin, pour sa gentillesse et sa disponibilité. Je me suis sentie avec les oiseaux dans le ciel. Veilleuse, quel joli mot. Celui qui rassure les enfants à la tombée du jour. Le bleu cède à la nuit. Dormez, braves gens, je veille sur vous.